Salut à tous, c'est Cosmic Mad Gaming. Aujourd'hui, nous allons jouer à Super Mario Bros 3. Donc, c'est parti pour le test. Allez, allons-y. Alors là, nous allons jouer vraiment un gros classique. Hein. L'un des monuments du jeu vidéo. Ah, c'était vraiment une révolution, celui-là. Bon, j'avais déjà testé le premier et le deuxième sur la NES. Ah, bah, fallait bien que je m'occupe du troisième. Donc, c'est parti. Hein. Alors, hop là. On commence par les petites astuces. Bon, ça va, je connais à peu près le jeu. Hein. Pas totalement, mais... Moi, j'avais plus l'habitude à Super Mario Bros 1. Et moi, je connais un peu les subtilités de ce jeu. Oh, allez. Ah, flûte. J'ai raté la vie. J'ai fait avoir bêtement, là. On va prendre de l'élan. Ah, il m'en faut plus. Voilà, hop là, on peut sauter tout le niveau là, comme ça. Et hop, petit passage. Hop. Vous voyez, c'était marqué 3. C'est une petite subtilité, hein. Hop. Hop là, ça nous permet d'atterrir ici pour clôturer ce niveau. Ah, je me suis facilité la tâche, là. Ok. Vous voyez, c'était sous forme de carte, hein, on pouvait faire tous les niveaux, enfin... Tous ou pas tous. Ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Tout n'était pas obligatoire. C'était une petite évolution à cette époque. Ok. Alors là, il y avait quelque chose, il me semble. Voilà. Là, on pouvait monter au-dessus. Ah, si je vais réussir à le faire. Oh. Là, on pouvait rentrer dans le tuyau, je crois. Voilà. Hop là. Quelques pièces bonus. Hop. Allez, on avance petit à petit. Donc c'était en plusieurs mondes, hein, subdivisé en plusieurs levels. Chose habituelle, hein, dans les Mario. Surtout pour cette époque. Hop. Là, il y avait une étoile. Ah, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Ah, j'allais dire, j'en ai pas besoin, bah... J'ai failli dire une bêtise. Hop, on va essayer d'aligner les étoiles. Tout en sachant que si on arrive à en avoir 3, on peut avoir plusieurs vies. Là, il y a des petits mini-jeux. Donc là, il fallait aligner les bons éléments. Ah, je gagnais pas souvent, hein. C'était chaud à jouer ça. Totalement à l'ouest, là. Ouais, bon, on va essayer de faire dans l'ordre, quand même. Ah. Mister Boomerang. Il m'a loupé. Là, hop, on va casser tout. Voilà. Il n'y avait pas un bonus quelque part. Ah ouais, c'était là. Bon, c'est pas grave, allez. On va essayer de pas se faire avoir bêtement. Quand même. Hop, on récupère la carapace. Oh, allez, on va finir. Hop. Voilà, les étoiles. Boum, feu d'artifice. Je gagne 5 vies. Ça, c'est intéressant. Hop, la petite maison champignon nous permet de gagner un bonus. Il fallait choisir le coffre que l'on voulait. Je prends celui-là pour avoir la feuille. Alors, ouais, allez, on va faire le château. On va skipper le niveau 4, hein. Vous voyez directement. C'est juste pour montrer qu'on pouvait vraiment sauter. Hop, la petite fleur qui va bien. Item classique. Ouais, pas trop vite, doucement. On va prendre son temps. Ouf, ouf, ouf. Oh, bah ma foi. Ça va, heureusement que derrière j'avais le... Pour mettre Mario Tanuki.
la petite subtilité, le plafond qui monte et qui descend, hop, on s'abaisse un petit peu. Oh, il n'y avait pas moi, pas obligé, hein. C'était pas obligatoire. Allez, on va attaquer le premier mini boss. Y'a l'auto, hop, et de deux. Et de 3, voilà, fallait sauter 3 fois sur l'ennemi. Allez, on descend. Ah bah alors. J'ai fait une mauvaise manip. Allez, viens l'auto. Ah, faut que je me rappelle. Hop, hop. Mario fait du toboggan. Hop là. Oh, mais alors, je me suis bien retourné. Il se fout de ma poire, là. Oh, attention. Tut, tut, tut. Voilà, fin du niveau. On se rattrape. Allez, un mini-jeu. Ah, il fallait retourner les cartes. C'était vraiment de l'aléatoire ici. Ah, une vie de gagner. Hop. Ah, voilà. Bon, les cartes, elles restent retournées, hein. Hop, alors on va aller au niveau suivant. Mais avant toute chose, voilà. On va se sécuriser. Alors. Ça rappelle le troisième sous-level dans le premier monde là, ici. C'est un peu similaire. Hein. Hop. Alors ouais. Se servir de notre pouvoir. Allez. Ah, ça fait deux fois que je me fais avoir, je rate la vie. Hop là, on va passer là. Ok, on va essayer de pas se louper. Voilà. On prend de la hauteur. Et on saute au bon moment, et voilà. Du niveau. Alors j'en profite de petite interlude pour situer mon partenaire associatif qui est AxoGeek. Moi j'en suis référent gaming. Et vous pouvez retrouver AxoGeek sur Facebook et nous retrouver IRL les mercredis et samedis après-midi dans deux salles différentes à Saint-Quentin. Donc voilà pour le petit aparté. Pendant ce temps-là, bah, j'ai battu l'homme marteau. Hop, on va faire la petite maison. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir cette fois-ci? Ah bah, encore la feuille. Allez, on va clôturer le niveau. On va se rendre au premier château. Le roi, il a été transformé en chien. Le roi de ce monde. Voilà. Scène iconique, hein, on montait... à bord d'un vaisseau, un bateau, un galion, voilà, pour être précis. Ah, y avait des canons partout. Là, c'est pas comme dans la 7ème compagnie, hein. Il va tirer du canon. Sauf que cette fois, ça fonctionne ici. Hop. Hop. Ok. On va essayer de se la jouer fine, pas être pressé. Hop, on va bientôt arriver au boss. Dans le tuyau, j'arrive l'ennemi. Hop. Eh, viens. Ah, flûte alors. Eh, il va pas m'avoir là, lui.
Et de 2. Et de 3. Allez, donne-moi ta baguette magique. Ta-ta-ta-ta. Voilà, on a libéré le premier monde. Mario. Hop là, il récupère sa baguette. Merci beaucoup. Il y a une lettre de la princesse. Ah, elle donne des nouvelles. Ah, nous donne l'item L. Alors, le désert. Bon, je vais vous faire un ou deux niveaux. Histoire de vous montrer. Ceux qui ont l'habitude d'avoir joué à Mario en connaissent, hein, franchement. Hop. Là, c'était juste les petites subtilités à éviter, les pièges. Voilà. Hop. Mais non! Je fais hop et puis je me fais avoir. Oh. Ah, celle-ci, je vais la chercher. Voilà. On va éviter de se faire avoir bêtement, hein, ça serait idiot. Oh, j'ai failli me faire avoir. Allez, hop. Oui, voilà, permis de propulser en haut. Voilà, fin du niveau, bientôt. Attention à la subtilité. Voilà. Je t'ai eu sur la fin. Ça, c'est le piège, hein. Allez, une petite vie. Alors, on va faire le petit jeu. On va retenter sa chance, hein. Ah! No chance. Dommage que celui du milieu y ait pas. Allez, attention, hop. On évite tout ça. On va rester sur la plateforme le plus possible. Hop, hop. On peut débloquer avec le P. Oh, attention, pas se faire avoir bêtement, ça serait idiot. Oh. Prudence et mère de sûreté, voilà. Hop. Ah bah alors. J'avais raté mon... mon objectif. Alors... Allez, on va faire le mini château. Allez, là, fallait aller vite. Il y avait une méthode à aller vite, à faire la speedrun, si on voulait. Moi, je prends aucun risque. Il y avait les petits fantômes qui étaient en hauteur. Si on les regardait, bah, ils faisaient les timides. Dès qu'on était dans un contresens, ils nous poursuivaient. Alors là, attention. Waouh. On va faire la course, si ça marche. Non. Non, je vais prendre aucun risque. Sinon, je vais me faire avoir bêtement. Toutou, toutou. Hop. Tout doucement, sans se presser. Ok, allez, on court. Ah non! On court, mais on est précis, Mario, s'il te plaît. Allez, attention, on va la battre. One. Two. Et three. Et voilà, c'est gagné. Voilà, ainsi s'achève notre test de Super Mario Bros. 3 sur NES. A plus pour la prochaine vidéo. Salut, ciao, bye bye, et à bientôt.